Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, une explosion de gaz dans le quartier Fevvot. Une maison a été en partie détruite, mais pas de victimes à déplorer. Les maires d'Indre-et-Loire réunis à Tours pour le congrès annuel. Dans les débats, les fusions territoriales qui inquiètent les élus du département. Et puis départ en fanfare pour le marché de Noël de Tours, avec des commerçants qui réalisent parfois la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Encore faut-il trouver la meilleure place. Je vous le disais en titre, une exposition a eu lieu aujourd'hui au 68 rue Fevvot à Tours. Les pompiers ont été prévenus aux alentours de 13h, vraisemblablement une explosion de gaz au niveau du chauffe-eau de la salle de bain. Le propriétaire qui vit seul dans la maison n'a pas été blessé, mais est sous état de choc. Il n'a pas été emmené à l'hôpital, il ne pourra pas retourner vivre chez lui car une bonne partie de la maison a été détruite, notamment le plancher qui s'est écroulé. La maison, elle a subi, beaucoup de dégâts sur la partie maçonnerie et la partie charpente. Celle-ci ne pourra plus être habitée par le propriétaire pour l'instant, tant que, en effet, l'expert et les expertises soient faites et puis qu'il y ait une rénovation de fait, quoi. Voilà. Aujourd'hui se tenait le traditionnel congrès des maires d'Indre-et-Loire au Vinci à Tours. Une grand-messe qui cette année se déroulait sur fond de fusion territoriale. En effet, dès le 1er janvier 2017, le nombre de communes, 277 pour le moment, devrait diminuer et le département ne se limitera plus qu'à 11 grands territoires. Résultat, beaucoup d'élus inquiets s'interrogent sur leur rôle à venir. Romain Delville. Rapprochement de communes, fusion, refonte des intercommunalités, les maires sont au centre du jeu territorial et les maires sont un peu perdus. En laissant, en perdant certains de leurs pouvoirs aux futures communautés agrandies de communes, certains ont peur de perdre le contact avec la population. Je pense qu'il faut en effet se regrouper pour les gros chantiers, les gros travaux, mais il ne faut pas perdre cette proximité que nous avons, nous, en tant qu'élus locaux, avec nos habitants. Et qui sont aussi très attachés à leur identité, à la commune. Plus proche des citoyens et toujours plus technique. C'est pourquoi des maires pensent que les intercommunalités vont simplifier le travail de beaucoup de communes. C'est à nous aussi, élus, de faire comprendre à l'habitant que ça ne s'éloigne pas. On peut faire de la proximité en étant plus gros. Et c'est surtout l'important qu'ils comprennent et qu'ils le perçoivent, c'est qu'on aura plus de moyens en se regroupant. Et le congrès des maires est un bon baromètre de la forme des édiles. Après les années contestataires de la loi NOTRe, de la baisse des dotations avec de belles affluences, au 1er janvier, la loi NOTRe sera en application. La résignation a gagné les bancs. Les maires ont l'impression qu'on veut leur enlever toute la partie intéressante de leur mission, à travers les missions qui sont passées vers la communauté de communes, et qu'on leur laisse que les basses tâches sur le territoire. Et c'est ça leur inquiétude. Et qu'en pense le doyen des maires ? Jean Savoie a 93 ans et dans son 9e mandat de maire de Pouzet, chantre de la ruralité, l'ancien conseiller général considère que le maire doit rester un personnage central de la République. Je dis que les maires de campagne particulièrement travaillent avec des bouts de ficelle pour arriver à maintenir en état l'État au service de l'ensemble de la population. Car n'oubliez pas que si on a une commune agréable, attrayante et bien entretenue, c'est au bénéfice de tous nos citoyens, y compris les gens de la ville. Élu pour la première fois en 1965, Jean Savoie a vu le rôle du maire évoluer en 50 ans. Et ce rôle qu'il ne veut pas quitter, c'est le rôle de premier contact avec la République. Et dans le cadre de ce congrès des maires d'Indre-et-Loire, TV Tours Val-de-Loire avait lancé l'opération Votre commune en images, qui a été remportée par Brie Doré pour le tournage et la diffusion d'un clip sur ce village, prochainement donc sur notre antenne. Politique toujours, on vous en parlait déjà hier, la victoire de François Fillon aux primaires fait tanguer l'UDI. L'une des chapelles du parti, le Nouveau Centre, a décidé de prendre ses distances. Ses deux piliers, le député du Loir-et-Cher, Maurice Leroy, ainsi que le président de la région Normandie, Hervé Morin, vont créer un parti pro-Fillon, une nouvelle force politique, baptisée les Bâtisseurs, du nom du mouvement déjà existant au sein de l'UDI. En Indre-et-Loire, les centristes dénoncent quant à eux une entreprise de destruction. Le reportage de Florent Clavel. Hervé Morin, Maurice Leroy, les deux figures du Nouveau Centre ont donc décidé de quitter l'UDI. Leurs désormais ex-collègues n'ont pas de mots assez durs. Calcul politique, opération individuelle, entreprise de destruction. L'objectif des deux anciens ministres, créer un parti centriste pro-Fillon.
Incompréhension de Christophe Bouchet. Moi, je n'ai pas les idées de François Fillon, mais c'est à l'évidence quelqu'un avec qui il est possible de discuter. C'est quelqu'un qui, à l'évidence, écoutera ou sera capable de moduler, voire de nuancer pour rassembler au plus large. Donc pourquoi, encore une fois, aller donner des coups dans la coque? Ça sert à rien, ça sert à rien. Alors, ces départs peuvent-ils tuer l'UDI de Jean-Christophe Lagarde? Non, estime la patronne du parti en Indre-et-Loire. D'abord parce que le nouveau centre pèse à peine, dit-elle. Et puis, cela aura le mérite d'assainir l'UDI. Pour redonner de l'essor, redonner de l'énergie, il faut qu'on supprime ces clivages. Donc si M. Morin quitte l'UDI, eh bien, je pense que ce sera bénéfique pour nous tous. La clarification, c'est aussi l'argument déployé par le nouveau centre. Évidemment pas dans le même sens. Pour Xavier Dateux, les errements du patron de l'UDI ont causé sa propre perte. La main tendue à Macron, puis le soutien à Fillon et enfin Juppé. Force est de constater qu'à force d'aller et venir, les gens n'y comprennent plus rien. Aujourd'hui, c'est clair, il y a les Républicains. À côté des Républicains, il y aura une force centriste de droite, bien positionnée à droite, en collaboration avec les Républicains pour faire gagner pour la présidentielle et législative après les sénatoriales. C'est aussi simple que ça. Dans le même temps, Jean-Christophe Lagarde a lui aussi rencontré François Fillon hier. Pour les centres, un objectif, la victoire de la droite en 2017. Des places de députés les attendent. Il y a une semaine tout juste, la société d'outillage Tourangelle Outiror fermait définitivement ses portes. Liquidation judiciaire actée avec à la clé 250 salariés sur le carreau. Aujourd'hui, seule une petite poignée d'entre eux travaillent encore dans la cellule liquidative en charge des dernières opérations de liquidation de l'entreprise. Pour le reste, les lettres de licenciement ne sont toujours pas arrivées et certains sont encore sous le choc, ne réalisant pas encore la situation. Sébastien Branger. Les camions d'Outiror sont désormais tous à l'arrêt et les 250 employés dispensés de travail dans l'attente de leur lettre de licenciement. C'est une entreprise sans activité où seule une vingtaine de salariés travaillent au sein d'une cellule liquidative pour 2 mois encore. Daniel, employé depuis 9 ans, a encore du mal à encaisser le coup. On vient de recevoir un percute et on a du mal à se retourner sur la chose. On a du mal à croire que c'est vraiment fini. Alors que c'est fini, hein. Mais il y a le contre-coup. On est une vingtaine à l'intérieur, voilà, on essaie de terminer le travail correctement, on va jusqu'au bout des choses, et puis voilà, jusqu'au jour où je fermerai les portes. Il y a encore une dizaine de jours, les employés d'Outiror étaient mobilisés pour sauver leur entreprise, créant un lien qui aujourd'hui perdure encore. On essaye de maintenir justement un lien, notamment en termes de communication. Puisqu'ils n'étant pas présents sur le site, ils ne peuvent pas voir le niveau d'information qu'on a. Donc nous avons créé via un réseau social un petit groupe fermé, dédié aux collaborateurs qui ne sont pas sur place et avec lesquels on communique sur les jours à venir, les semaines à venir, le calendrier qui s'ouvre à nous, notamment en termes d'inscription à Pôle emploi, de formation auxquelles ils peuvent prétendre, etc. Des repreneurs peuvent encore récupérer certaines activités d'Outiror ou des acheteurs le parc de camions. Après quoi, l'ensemble des biens sera mis aux enchères. Le chantier des travaux de l'élargissement de l'A10, Vinci Autoroute a décidé de tendre la main aux élus locaux et aux riverains pour bâtir un consensus autour de ce projet. Des riverains agacés par les nuisances sonores, environnementales et paysagères ont décidé de saisir l'occasion pour se faire entendre. Amanda Breuer-Rivera s'est rendue dans la vallée de Courtineau rencontrer des habitants résolus. Une somptueuse demeure estampillée Gîte de France, mais peut-être plus pour très longtemps. Depuis quelques années, certains clients exigent un remboursement de leur séjour à cause du bruit infernal de l'autoroute qui se situe à 300 mètres de là. Lorsque le vent souffle, il transporte des ondes sonores, lesquelles, décuplées par les côtes de la vallée, peuvent rompre le charme de la maison. Nous sommes maintenant fermés pour éviter les réflexions des gîtes, des gens, des clients. Nous fermons depuis début novembre jusqu'au 15 mai. Donc nous ratons quand même... des semaines importantes, c'est désolant, ce mur anti-bruit qui est demandé. On demande un mur anti-bruit, sous quelle forme que ce soit, mais vraiment, c'est insupportable, c'est invivable. Jusqu'à présent, Cofiroute a refusé d'installer ce mur en leur proposant d'attendre les prochains travaux.
Le jour J étant arrivé, de nombreux riverains se sont mobilisés pour participer à la concertation proposée par Vinci Autoroute. En à peine un mois, l'association Agir à 10 Touraine a fédéré des élus locaux, riverains et associations, soit environ une centaine de personnes. L'association souhaite atténuer la pollution sonore, environnementale et visuelle dans un esprit de collaboration vigilante. Vinci ne pose pas d'engagement clair, que ce soit en termes de bruit, d'impact économique ou alors d'environnement. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter la configuration qui s'est passée avec le passage de la ligne LGV juste à côté, qu'on ait des concertations ou des tables de discussion jusqu'à la fin du projet et que finalement, quand le projet est ouvert, on n'ait pas de résultats, de résultats concrets. Pour sa part, Vinci Autoroute assume ses démarches. Pour l'instant, elle affirme que rien n'a été décidé autour du chantier. Elle invite les citoyens à participer à ses ateliers de concertation au premier trimestre 2017. En bref, attention, si vous avez prévu de sortir demain, sachez qu'un épisode de pollution atmosphérique aux particules est prévu sur le département d'Indre-et-Loire pour toute la journée. La préfecture préconise donc de limiter ses déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe, mais également de limiter les activités physiques et sportives autant que possible. Le marché de Noël a ouvert ses portes il y a presque tout juste une semaine et le succès est déjà au rendez-vous, avec en tête la gastronomie bien sûr. Le marché de Noël est aussi et surtout une belle vitrine pour les commerçants locaux. Certains réalisent en 5 semaines la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Encore faut-il être bien placé, mais après plusieurs années sur liste d'attente, il n'y a parfois pas trop le choix. Clémence Drouet. Je vous en prie, si vous voulez goûter, il y a un peu de dégustation. Je fais tout à l'heure. Vin chaud, crêpes ou brioche, les chalets alimentaires sont ceux qui font recette au marché de Noël. Mais pour attirer la clientèle, les critères sont nombreux, l'emplacement est primordial. De l'avis général, les jours d'affluence, ça bouchonne aux entrées et sorties. Il y a forcément des places mieux que les autres, il n'y a pas photo. Ensuite, ce n'est pas vraiment nous qui décidons, c'est le placier. Face à la gare, par exemple, c'est bien parce que donc on a les gens qui viennent de la gare qui font un petit tour. Mais ceux qui sont sur le boulevard ne viennent pas forcément ici non plus. La plupart des commerçants présents sont des locaux et même si le petit artisanat se vend moins bien que la nourriture, le marché de Noël reste une bonne affaire. Preuve en est, certains exposants réalisent ici la moitié de leur chiffre d'affaires annuel en 5 semaines de présence. La plupart reviennent chaque année car le prix de location d'un chalet est très attractif, environ 1500 euros à tour. Ce marché ici n'est pas trop cher comparé à beaucoup d'autres. Bordeaux, on peut compter 5000 euros. Nantes, pareil. Angers, je crois que c'est autour de 4000. Paris, alors là, on monte au-dessus des 10 000. Bon, ça peut être entre 10 et 20 000. Le marché de Noël de Tours, c'est un panier moyen de 10 euros, 6 fois moins important que celui de Strasbourg. Journaliste pour l'agence France Presse, il a passé 3 ans à La Havane, à Cuba, en tant que correspondant. Il a rencontré à plusieurs reprises Fidel Castro, alors chef de l'État. Il en a d'ailleurs fait un livre, à l'occasion de la mort du leader Maximo il y a quelques jours. Retour sur cet homme de pouvoir autant craint qu'adulé, avec Denis Rousseau, qui sera notre invité dans un instant. A tout de suite.